Bien, salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction trailer. Donc aujourd'hui réaction au nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch, donc qui va sortir je crois que c'est en août. Donc du coup j'ai vraiment hâte, c'est un des films que j'attends le plus cette année. Voilà, Wes Anderson c'est un réel que j'adore, et puis casting n'en parlons pas. Donc c'est parti. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. Decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Cremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthal. Certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom, full stop. I'm naked, Mrs. Cremens. I can see that. Lieutenant Nescafier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Ok, bah honnêtement, moi ça me donne vraiment envie. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment pas mal envie. Moi, Wes Anderson, c'est vraiment un réel que j'aime. Et là, il a l'air vraiment de refaire un petit peu, enfin, redonner des éléments qu'il y avait dans The Grand Budapest Hotel. De toute façon, tous ces films se ressemblent, hein, honnêtement. Voilà, quand il a commencé à faire son troisième film, après c'était quasi. Alors, on avait toujours les mêmes éléments qui revenaient, en tout cas pour ces films en live action, on va dire. Donc, ouais, moi, j'aime tous ces films que j'ai vus, je les aime. Bon, après, pour moi, ces deux premiers films sont un peu en dessous. Mais voilà, en tout cas, tous ceux que j'ai vus, parce qu'il me reste deux à voir de ces films. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ce réal prochainement, où voilà, je reviendrai sur sa carrière, j'essaierai de faire un bon truc. Mais voilà, sinon pour parler de ce trailer, et ben moi ça me donne vraiment envie. Voilà, bon, c'est pareil, on sait pas trop où on va se diriger, mais bon, l'histoire c'est pas toujours important. Voilà, dans les films de Wes Anderson. Mais là on a l'air de partir dans quelque chose d'assez fou, un peu comme The Grand Budapest Hotel, peut-être encore plus déjanté. Et on a toujours ces plans magnifiques, vraiment symétriques, on a aussi du noir et blanc. Voilà, donc moi c'est pour ça que j'adore ce réal. On retrouve des putains d'acteurs, voilà, Bill Murray, enfin, c'est un acteur que j'adore, surtout sous la responsabilité de Wes Anderson, enfin en tout cas sous ses critères. Adrien Brody aussi, j'aime beaucoup. Owen Wilson, voilà, de toute façon il a l'habitude de revenir avec ces acteurs là il y a aussi Timothée Chalamet, donc lui ouais, c'est le premier film qu'il fait avec lui, il me semble. Moi, c'est vraiment un acteur que j'aime plutôt pas mal, donc je suis assez content de les retrouver là. Voilà, ça fait plaisir, c'est lui de façon qu'il avait annoncé la sortie du trailer sur Twitter, donc du coup je faisais que d'aller vérifier ce qui est sorti, parce qu'il sortait soit hier soit aujourd'hui quand je fais la vidéo. Donc voilà, bref, du coup ce trailer me donne vachement envie,
Ça a l'air vraiment magnifique. Les plans, waouh, ça va être pareil. Chaque plan ressemblera à un tableau. Et non, honnêtement, c'est vraiment cool. N'hésitez vraiment, vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de ces trailers. Mais moi, j'essaierai d'aller quand même au ciné pour voir ce film qui, je pense, fera mal aux Oscars. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et moi, je vous dis salut!